Il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que c'est vraiment une expérience unique et que je recommande fortement à vivre. Bonjour, je m'appelle Dorine Ferré-Pino, j'ai 23 ans. J'ai fait ma licence gestion des organisations à l'ESSI Medsup de Vente. J'ai participé au programme Erasmus Plus Mobilité, donc à Malte, pendant 9 mois au total, car j'ai prolongé de 3 mois mon stage. J'ai eu des compétences dans la gestion d'entreprise, c'est-à-dire que j'ai été dans une start-up qui venait juste d'être créée. J'avais des tâches de marketing et de commerce. J'ai appris à voir toutes les tâches que l'on a lorsque l'on crée une entreprise. Et ainsi, j'ai appris des tâches aussi, notamment dans le marketing, domaine que je n'avais jamais vu auparavant. C'est difficile quand on arrive dans un pays étranger, le temps d'adaptation, d'entendre de l'anglais, de pas toujours comprendre, mais c'est vrai qu'on s'adapte très très vite. J'avais la manageuse, donc celle qui a créé l'entreprise, qui était ma tutrice de stage et qui m'a vraiment bien accueillie, bien aidée à m'intégrer dans le pays. Les anciens Erasmus nous ont beaucoup rassurés, et notamment notre responsable pédagogique qui nous a vraiment bien aidés. Lorsque nous sommes dans un pays étranger, on doit être autonome à 100%, apprendre à se gérer seul. Mon expérience pourra me servir dans ma vie professionnelle de tous les jours, grâce aux nouvelles compétences que j'ai acquises lors de ce stage. Je pourrai appliquer mes nouvelles connaissances dans mon futur job. Tout ce qui est maturité, autonomie, ça pourra notamment me servir dans ma vie personnelle. Il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que c'est vraiment une expérience unique et que je recommande fortement à vivre. On apprend énormément en peu de temps. Ça apporte aussi des nouvelles compétences qu'on peut développer dans les entreprises en France.